Tamen. Salut à tous. Là on se retrouve, j'espère, pour la bonne cette fois, parce qu'on est un petit peu fatigué, un peu énervé là. Pour la suite et la fin des weekly épisode 20 sur Battlefield Bad Company 2. Juste voilà pour montrer le score de la partie précédente, voilà. Ouais là c'est un peu la merde, hein. on avait fait une bonne demi-heure là et à la fin, hop, capture a échoué. Donc après on a dû attendre, problème avec le PC et tout, c'est vraiment la merde quoi. Ce week-end avec Dead Space et le son pourri et là la vidéo qui bug, échoue carrément au niveau de la capture du hopage, bon ça fait un peu chier. Je suis énervé donc voilà. Ça nous a un petit peu fatigué. C'est clair. Ça s'entendra peut-être dans nos voix, il y aura peut-être moins de blagues qui coulolent, mais bon tant pis. Elles sont plus pourries, hein, vous inquiétez pas. Ouais, après faut tout le temps attendre que les gens reviennent parce que dans ce jeu là il est excellent mais c'est la merde au niveau du multi, on ne peut pas inviter ses potes et tout. Ouais, j'ai jamais vu un jeu aussi pourri au niveau de la personnalisation du multi. C'est pareil, hein. Killzone c'est pas pareil, je suis désolé. Le 3 c'est exactement pareil. Hein. Ouais, mais ça va être patché dans quelques semaines et ça c'est sûr. Dans quelques années peut-être, ça s'appellera le 4, je suis pas sûr. Ouais, ça m'étonnerait, c'est de la mauvaise foi de ta part. Bon, donc qui c'est qu'avec nous dans cette team? Donc c'est Waterproof, Spayon et Waza Furax. Tout à fait, ils nous suivent depuis deux parties maintenant. Furax Kiss, attends, je vais vous montrer. Alors, Toto et Julien en face, Boosty, Killer, Bomber, Luxen, Fab, OLBOP. Putain, il y a du monde finalement. Et chez nous, LHX, Fox. Ah oui, il m'a dit je peux sur les maps non VIP. Effectivement, c'est les maps non VIP, tu peux. Double H, double et H. JKOS. Voilà, JKOS. Et donc ceux de l'escouade, voilà. Alors. Donc c'est une map classique, celle du pack normal, pas VIP. La démo aussi. Que tout le monde a faite. Moi je l'ai faite plusieurs fois, je la connais par cœur. J'aime bien. Mais bon voilà, on s'en fout, on n'a pas choisi la carte. On espère que ça a fonctionné correctement et que ça plante pas. Tout à fait. Parce que c'est vraiment pénible de voir qu'on met toute notre bonne volonté. C'est clair, et puis là ça échoue, ça casse et tout. C'est chiant. Ouais, là franchement ça marcherait pas, on était à deux autres, de pas faire de vidéo sur ça. Ah oui, voilà. Il peut rien, donc je veux dire, ça ne marche pas, tant qu'il faut pas forcer quoi. Attention là, il y a un des chauds là. Oh, une balle à la tête, je l'ai mis. Ouais, double kill. Bon, peut-être mieux jouer cette fois. La dernière fois, on s'est improvisé en extrême en conquête, je vous dis pas. Tout à l'heure, Toto et Julien étaient dans notre escouade. Ouais, on a fait tourner en fait là. On a fait tourner les escouades, ouais, parce que bon, on pensait que ça allait. Qu'on allait pouvoir faire un mode conquête hardcore et un mode. Tout à fait. Rué normal, et pas du tout. Ça s'est. Mal passé quoi. Mal passé, comme d'habitude. C'est rare, non, en plus, c'est rare. C'est rare. C'est la deuxième fois où ça nous arrive en fait, hein, donc. C'est pas mal qu'elle a marqué l'échec de la capture. Là, en 5 mois d'existence, la deuxième fois que l'opage nous plante comme ça, c'est bizarre. C'est clair. Il en a marre. Peut-être des revendications, je sais pas. Ah, bon, on l'écoutera peut-être au niveau des mises à jour, peut-être qu'il veut plus de confort. Plus de code. Aïe. Peut-être qu'il a des actions Activision, c'est le mal. Ouais, il y a quand même pas mal d'abonnés, ça fait plaisir, hein, parce que vous savez que c'est l'artifice de ne pas créer, tu sautes, Léange. Je vais voir toi. Il a quand même tué le mec, hein. Julien. Bon, allez, moi aussi. Il sème des mines d'anti-char, là. Ouais, je peux rien faire, là. Ouais, mais ouais, parce que le temps qui vient, et paf, il explose. Murcus, futur abonné, j'espère. J'espère. Viens chez nous. Sinon, on te casse la gueule. Il a acheté les skins, lui. Alors, ok, c'est parfait. L'attirail du PGM. Ouh. C'est pas lui qui fait une petite session parachute. Ouais, c'est ça, c'est ça. Putain, moi j'ai fait carrément descente des montagnes. Hop, je me cache. Oh. En face, il tire dans le. S'en fout, tire dans le fourré, tu sais. Il tire dans le s'en fout, attends. Il est là, comme ça, il est bien, tu sais. Il croit qu'il se voit pas, tu sais, avec les petites feuilles autour de lui, tu sais. J'ai un collier en feuilles. Alors attends, on sniper. On va passer aux choses sérieuses. Le snipage. Ça, c'est pas où, you. Et là. Ok, donc là, on est toujours bloqué au point de départ. Je pense que c'est très très bien parti là. C'est PGM style, hein, quand même. Ah, c'est l'équipe surtout là qui est PGM. Qui rejette tout le temps la force sur son équipe. Partie précédente, j'ai fini premier, je le rappelle. Hein. Mais qui se la raconte. On va dire que ils se la racontent, les mecs. Mais pas du tout, allez, et là. Allez, kill with steel, c'est Battlefield pour kill with steel. Tu vois un peu là. Je les ai regardés puis je les ai achevés au Colt en fait. Viens, soignez-moi un petit Spyro. Comme quoi on peut faire du bullet storm dans Battlefield Bad Company 2. Tout à fait. A défaut de l'avoir, hein. Allez, vas-y. Mais viens, qu'est-ce qu'il fait? C'est qui? Spyro. Il a pas de jambes. Il sait pas marcher, il sait pas. Putain, vas-y, prends-le là. Oh, hey, médic. Oh putain. Wow, le petit Luxen, il était caché où là? Luxen, il a dit je vous tuerai en campant depuis l'arrière de la map. Ah, il tourne à son bague. Il a attrapé, tu vois. Là, il est là. T'es mort, c'est vrai que tu vas mourir. Il est juste là, je veux. Là. Non, il était pas là. Si. Mais d'accord, mais là, il y a un mec, hein. Oui, il y a un mec, je sais. Il y a des mecs partout.
Il est là, Luxen. Oui, il est là, ouais. Il se venge sur les mecs. C'est peut-être lui, hein. Ah ouais. Solution bien plus efficace. Le mortier. Ah oui, sur les devants, en fait. Là, au cas où il y a un mec qui vient chez nous. Ouais, waterproof, vas-y. Oh. Ouais, le boy qui va avec sa 249, il est PG, quoi. T'es, il tue tout le monde. Il est pas waterproof. Oh, oh mais il est attends. Il a que tes waterproof, quoi. Il est arrivé bouché, quoi. Bon, est-ce que vous allez passer le premier, la première zone ou vous allez mourir comme des loups, là ? Non, je pense pas qu'on va la passer. Il a pas trop envie, apparemment. Allez, c'est pas où ? 28, ouais, c'est quasiment mort, là. Attends, c'est chaud. On peut en avoir une en pétant une maison. Ce que je vais essayer de faire, discrètement. Enfin, avec une grenade. Ouais, je pète la maison avec la grenade. Et non. Quand même l'activer. Il y a les portes, les portes sont même pas ouvertes. T'as chaud. Ouais, c'est bon. C'est armé. Vas-y, va là-dedans, va là-dedans. T'as même là, elle est ouverte là. Il y a personne qui a. Il y a personne, les gars, qu'est-ce qui se passe? Là, vas-y, tue les tous là. Là, là, clac, clac. Oh, il tire le sniper. Ah, c'est Luxen, non? J'espère que c'est Luxen. Non, c'est des bombeurs. Oh, mais vas-y, froisse, vas-y. Vas-y, il est là. Il a tué Luxen. C'était Luxen. Nickel, nickel. Vas-y, je te protège. Ils ont désactivé B. Ah. Qu'est-ce que tu fais, toi? Il a pris dans la joue lui. Ouais, c'est clair hein. Oh, je suis chaud là. T'as même temps. Oh, Fourasque. Fourasque, tu t'amènes là, c'est l'équipe de choc là. Allez, active. Ah. Attends. On ressautille. Allez, c'est parti, on y va. Attends, mais ouais. Faudrait faire péter la maison. Ça marche hein. Ça la fait péter celle-là. Attends, vas-y. Là, viens. C'est derrière le mur, tu veux. Ouais, mais y'en a un là. Oh, il faut en train de faire péter la maison. En plus, on entend pas si ça vibre ou pas, donc c'est. Il avait mis du mortier. Les bombeurs m'a, bomber m'a cuté. Ah, une autre plaque. Ouais. Fais gaffe à vos chers. Hein. Sur eBay, je l'ai vu hier soir, 35 euros, j'ai pas compris. Alors. Non, c'est bon, on va continuer comme ça. Allez, plus qu'un point, là, fais péter. Oh, allez, vas-y. Ouais, B, c'est chaud, il est allez. Activé, donc c'est bon. Allez, ah, les ils ont activé. Oh, putain, ah, c'est mort. 15, c'est mort hein. 14, ça descend comme. Comme des camps, putain, allez. Comme je sais pas quoi. Voilà, c'est direct. Le PGM style. Wow. Shit. Non, c'est bon, on défendra, c'est pas grave hein. Même si on ça va vite comme ça, hop, on fait notre map. Mais faut voir si c'est si elle a, y a l'aller-retour ou. Il y a que l'aller-retour hein, c'est bon. Enfin il y en a un peu plus quoi. De gère, mais oui, mais est-ce que c'était déjà l'aller-retour ou pas? Non mais non, c'était moisson avant. C'est la première. Ah oui round, c'est vrai. Premier round. Hop. Il y a les méchants pas loin. Je les ai vus des pas beaux là. Ah ouais mais là. Mais ouais, quand ça vibre en vrai tu peux pas viser en fait. Ouais tu perds ta visée, normal. Boosty qui rigole. Il a raison. Allez. Allez. Oh putain. J'enlève lance-roquette. Bon on va repartir en 40 hein. La Thompson. Ouais. Spy Woo, le mauvais. Pourquoi je l'ai pris dans mon escouade? Je rigole hein. C'est bon. C'est le médic. Bah oui, j'ai pas mauvais, c'est bon. Ah j'ai pas de parachute. Fake. Et au début du jeu, petite anecdote que je t'amène, handicap mental, je ne savais pas qu'on pouvait ouvrir le parachute. Donc en fait, une fois sur deux, je mourrais parce que tu nies une fois sur deux sans parachute en fait. Donc ah ouais oh merde. Putain, comment on fait le parachute? Et j'ai découvert qu'il fallait faire croix. Ça va pas, je suis là, le carénage là. Et ils disent pas en fait Si, dans le livre ils disent en fait. Dans le manuel. Non, je sais pas, je l'avais lu sur le forum en tout cas. Tu sais, un mois après, j'ai arrêté de mourir en fait. Sinon, chaque fois, cette map. Oh fuck. Et voilà, belle victoire. Belle victoire des adversaires. Des adversaires notamment. Ben, bon, c'est toujours comme ça chez les Wiki des Chitans. J'ai compris, ils veulent plus jamais se mettre avec nous. C'est très raison. Généreux. C'est bon, en même temps, on a pris Fouras avec nous, le mec il sait pas jouer donc. Bah, c'est clair, tout à l'heure il jouait à code. Bah, tout à l'heure, quand ça a pas marché, il nous a foutu le tank dans l'eau quoi. Ouais, il a foutu le tank dans l'eau. Le quad dans la rivière. C'est même pas intentionnel en plus. Hein. Putain, il y a tout le monde quoi. Fox, Jikos, WH et tout. Ok, donc je suis content, il y a quand même du monde. Hein. Putain, Luxen, vétéran 15, il a dû cheater parce que c'est 15 jeux Battlefield, non, c'est pas possible. Enfin, qui m'explique ça. Hein. Big calibre. Dodo tout court. Bah vas-y, va dormir. J'adore lire les noms des gens. Très intéressant. Allez, la revanche. Là, vite, sniper. Hop. Déjà, en défense, il faut sniper. Là, hop. Ouais, ce jeu, il fait peur pendant les 10 premières secondes, tellement que les textures, elles sont pas chargées. Ouais, en fait. Ouais, c'est énorme. C'est... Wow, les mecs, ils sont carrés et tout. Ils ont pris des coups de couteau. Ils sont pas finis. Les magnifiques parachutistes, ils dérivent au gré du vent. Non, en fait, ils vont direct sur le chemin. Ouais. Non, mais ça campette pas, là, je crois. Si, ça va venir. Là, ça la méga campette, c'est là, au fond, M95. Et là, c'est la petite campette, là, la campette de base. Là. Ouais, c'est les campettes. Tiens, destruction c'est véhicule. Les campettes là-bas, là, tu vois. J'ai pété un véhicule. Les campettes là-bas sur les canalisations, genre les pipelines de gaz.
Ah voilà, c'est, ouais. Ça c'est même les camputs. Les camputs parce que camputs. Ils sont en zone en fait hors limite. Hors, ouais, hors limite. Ils avancent, sont ils avancent, ils reculent. C'est ça, c'est chaud, le mec il est jusqu'au bout de la map. Bon, ils ont activé A, B déjà. Très intéressant, moi je vais vous repérer. Là, y'a un mec, vas-y, boum. Oh, je sais pas qui c'est. Mais c'est headshot en plus. Si c'est pas magnifique ça. Franchement, ça dirait que ça va dans les best-of. Hein. Fouras, prépare-toi à faire le montage. Hein. Peut-être un commentary aussi. Qui a fait une très jolie vidéo, hein, avec la participation de vous tous. Bon, on vous remercie. On vous remercie. Message à la fin, tout ça nous a fait chaud au cœur. C'était chaud au cœur. Bon, il manquait un peu de l'argent, mais. Non, c'est vraiment très gentil de votre part. Hein. Surtout que nous on fait pas ça pour ce genre, voilà, on fait ça pour, non, mais ça, pour faire, clair, ouais. Faire partager notre passion du jeu vidéo, même si c'est une phrase banale, c'est essentiel. C'est quoi. La vérité, nous voilà, c'est... Nous dans nos vidéos, on dit pas 30 fois abonnez-vous quoi, tu vois, on dit pas putain, bientôt les 100 000 k, tout ça, on s'en bat les couilles sérieux quoi. C'est clair. Nous on fait des vidéos comme ça, c'est pour ça de toute façon on est les seuls à jouer avec nos abonnés, à prendre soin de la communauté. Je trouve ça tout à fait normal. Après, on échange les jeux, on parle et tout. Je serais bien curieux de voir. Putain, ils ont déjà pété la zone, ok, on va s'en. Combien de temps mettre les autres testeurs pour répondre aussi aux MP des autres? Ah. Ouais, non, mais après, là, ils travaillent, on peut pas tous les insulter. Oui, c'est ça, ouais, non, mais je critique pas, mais je veux dire. Pas. Nous, on constate qu'on va. Ouais, quand on fait ces vidéos-là, on fait vraiment les vidéos pour partager notre passion. Genre, voilà, on joue ensemble, on s'amuse. Donc, on le voit bien, tout le temps, on déconne, on fait les cons. Ouais. C'est ça, quoi. C'est... On va s'insulter aussi. Bon, ça, on s'en fout. Et par contre, ne croyez pas qu'on va se laisser faire, par contre. Nous, on vous éclate, quoi. Donc, vous insultez. Non, je pense sur les forums aussi. Hop. Ouais, les forums, mais c'est des cons. De toute façon, la plupart du temps, c'est des cons. Ouais. On y va quasiment plus. Donc, ouais, tout à fait. Non mais voilà, non mais c'est clair que vous êtes gentil, vous avez compris notre esprit, c'est les jeux vidéo, on joue, y a pas voilà compétition, oh, putain j'ai mis la race, tu vois. On accepte Fouras dans notre équipe, ça montre bien quand même que. Voilà, on accepte Fouras et Fox qui sont deux codistes et qui savent pas jouer à Battlefield. C'est clair. On est quand même vraiment gentil, on a perdu, voilà. Ça c'est pas du social les gars, je comprends pas. C'est moi. Clair, hein. Ouais, bon. Non mais déjà nous ce qui nous a énormément fait plaisir. Je suis dans la bonne espace parce que je sais pas viser donc voilà. Ça nous a fait énormément plaisir en fait, peut-être on se répète, mais c'est pas grave, c'est. C'est le sujet. Ouais, là. C'est nous notre but quand on a voulu créer ça en fait c'est un peu faire on va dire comme Hooper comme Netto, c'est-à-dire en fait essayer de créer une espèce de communauté de personnes c'est qui notre but directement qui se retrouvent qui parlent qui jouent ensemble et tout tu vois en sensibilité ça aussi ouais et en fait voilà on a quand même. Je trouve qu'on a pas mal réussi parce que ça fait, même pas... quand même réussi, ça fait moins de 6 mois qu'on existe sur YouTube. On a beaucoup de personnes non fréquentables, hein, type Fouras sur notre chaîne, mais bon. Ouais, tout ce qui est Lapinou et The Jules, mais bon, on va dire rien, qu'on les mique, on les tolère quoi. C'est, ouais, on va dire que c'est comme la loi, t'es obligé d'avoir 8% d'handicapés dans les entreprises. Bah là, c'est pareil, tu vois, t'es obligé d'avoir 8% de boulets quoi. Donc on les accepte, on dit bon, c'est pas grave, tu vois. Alors là, pour cette injure publique, les mecs ils vont rager. Non mais donc c'est pour ça nous on est très contents de notre situation. Parce que nous c'est plus qu'une chaîne qu'on voulait faire tu vois. Oui. La Cheetah famille tu vois Bomber là. Oh putain. Et du coup voilà tu vois on laisse même The Boosty nous tuer tu vois c'est pas. Ouais. Il court après pour le couper quoi. Ah non c'est bon c'est. Non, bon. Comme on est pas très bon en jeu vidéo aussi c'est pour ça en fait. Quand on joue avec vous on est sûr d'avoir des médics et d'être soigné c'est pour ça. Ça c'est la vraie raison c'est en ça, fait. C'est ça c'est vrai c'est vrai. Des cheat amens. Mais maintenant j'ai compris je me mets médic comme ça je peux vous soigner aussi parce que vu que vous n'êtes pas très bon aussi. Non mais c'est vrai voilà. Après, putain, ils ont activé déjà les deux mais. Quand, mais... quand on va aussi sur la plupart des chaînes on critique pas du tout mais on voit juste genre. Sub. Non mais il y a pas d'énormes relations entre les. Le propriétaire de la chaîne et ses fans quoi. Enfin moi je trouve que c'est notre avis nous c'est quand même je trouve que c'est un point crucial de d'être près de du après nous du public quoi. Dans notre situation on est étudiant on a quand même une liberté que certains ne peuvent pas avoir si bon c'est tout tu vois tout genre, mais bon voilà après tant qu'ils font des vidéos qui répondent c'est s'ils partagent leur passion il y a pas de problème hein. Ouais. Nous on n'impose pas notre modèle hein. Chacun fait ce qu'il peut et ce qu'il veut quoi si il y a un livre ouais il y a une. Après le livre vert, après le livre rouge, ce sera le livre orange. Le livre orange aux taches noires. Voilà. On va bientôt l'imposer. Voilà, oh toi maintenant. Ah, même pas. Donc voilà, donc on va continuer à parler quand même de... sur la outlie. Attention, un kill. Oh, double kill. Putain, y'a pas mal de double kill. Mais alors que dans Kizotro, y'en a plus du tout. Hein. Ouais. Mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu dans celui-là, mais c'est quand tu te croises et tous les deux en munitions Magnum, paf, ça tue. Non, c'est. Ah non. Attends, on va changer ça. Voilà. Hop, putain, on est déjà là, c'est là. Mais c'est pas grave. Vous faites défoncer de toute façon. Bon, au pire, vous allez pouvoir montrer notre carte. Non, on va hein. Remonter notre map comme ça. Ah, y'a plus personne. Ah, y'a plus personne. Ha.
Oh putain, les mecs ils peuvent venir là s'ils veulent. Il y a plus. C'est un show, qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant c'est public hein. Bon, on dirait pas que c'est public parce qu'il y a que What Me Name à gauche qui est méchant en fait, qui est intrus. Et il y a Dodo tout court face, et il y a Dodo Lille, tout court et. Mercus et tout, il y en a 3 quand même. Ouais, mais à gauche il y en a qu'un. Regarde, l'équipe de gauche elle fait peur. Hein, ah, donc ça fait 9 et 9, 18, 18 moins 4. Ouais, c'est à 14. 14. Ouais, donc il y a 5-6 personnes, 5 personnes là, qui sont pas là. Ils sont intéressés à sub hein. Mais non, mais le problème c'est que. C'est le bordel. Franchement, ce jeu, c'est ça qui est frustrant quand on organise tout le petit dessus, c'est qu'on peut pas créer de partie. Donc. Et puis là, comme il commence à être tard, bah, du coup, les serveurs se vident et ça devient ça. C'est vrai, moi au début, je voulais le faire à 14h. Donc, problème de logistique, on y réfléchira plus tard. Ouais, tout à fait, ouais. Donc, on rappelle aussi hein, que la Super Weekly numéro 2, hein, la Weekly numéro 23, la vidéo est dispo, vous pouvez voter. On a déjà presque 50 votes déjà, donc c'est plus que la première. Nous, ce contre quoi engueuler, c'était pas contre la participation, parce que voilà, après une centaine de votes, nous ça nous suffit pour vous prendre pour des bah, des hein. S'il y a que 15 ou 20 places, ça suffit, tu vois. Ce qu'on n'avait pas aimé, c'est que voilà, sur les 20 tirés au sort, il y en a 8 qui étaient présents, par exemple. Bon, après. Après, c'est pour ça qu'on fait le. Qui ne s'était pas excusé. Après, c'est pour ça qu'on le fait une semaine avant, ça, les mecs, après, on leur dit, vous êtes tirés au sort, vous jouez avec nous. Ils nous disent, ouais, je peux pas, en fait, ce week-end, j'avais prévu d'autres trucs. Hop, c'est pas grave, nous, on a notre tirage au sort. Faut le dire, quoi. Moi, voilà, on vous excuse, il n'y a aucun problème. Parce que voilà, on vous l'avait vu, si vous voulez la vidéo coup de gueule, c'était dans la Super Wiki sur ACB, quoi. Tout à fait. On était 20 d'inscrits, il y en avait 9 ou 10, quoi. Donc, ouais. Puis surtout, voilà, ceux qui étaient là ne s'étaient pas excusés. Après, oui, certains ou deux, mais bon, voilà. Là, nos scopes, c'est chaud, quand même. C'est comme ça qu'on chope. Alors, Bomber, il va rager. Bon, faut qu'on arrête de perdre tous les points, là. Surtout que le A, s'il détruise la maison, genre là. Ouais, mais là, y'a pas forcément. Genre, y'a pas égalité au niveau des armes, tu vois, l'autre il a. C'est clair, il a un arrière et toi t'as un T4 de merde. Il a une sorte d'Apache et moi je suis là comme ça, ok. Attends, j'ai ça. Mais il lock pas lui? Hein? Tu m'as dit qu'il lock? Non, j'ai changé, j'ai pris lui là. Ah, d'accord. Dois... Putain, ça vibre. Non, c'est bon. Putain, mais pétez-le! Ah, putain, il a locké, je crois. Oh putain, trop tard! Je vais le choper, hein. Parce que avec le gun tu peux le locker et après tu tires dessus, ça marche. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il fait? Waouh! Il est chaud, c'est un russe quoi! T'as vu ce qu'il fait? Oh, il m'a encore tué 10 fois, c'est chaud! Il est monté sur le char et il plante le couteau dans le canon! Je crois que c'était Toto Junior. Je suis pas sûr. C'est Rambo, ouais? Je crois que c'était lui, j'ai pas fait gaffe. Bien sûr, il va dire que c'est lui, hein. Ouais, t'en verras en montage, c'est lui ou pas. J'ai tout fait et tout. Je suis premier. Oh! Vas-y! Putain, je suis à sec! Oh putain! Ouais, c'était lui. Ouais, ouais. The Boostai. Alors, c'est chaud qu'il y ait personne. C'est énorme ça, par contre. Bon, vous avez vu la vidéo aussi, tiens, on va parler un peu d'actu là. Vous avez vu la vidéo de Battlefield 3? Ouais, tout à fait. Bah, c'est comme Crysis, hein, c'est des jeux sur PC, sur console, ça sert à rien quoi. Genre. Ouais. Nous, en tout cas, on vous conseille pas les acheter sur console quoi. Là, il y a la démo la semaine prochaine de Crysis 2. On a déjà préparé notre pamphlet, il est condamné à mort apparemment sur Play 3. Donc. Genre, à ce qui paraît, nous on croyait qu'il était le leader. Lead, ça veut dire pour ceux qui ne connaîtraient pas. Hein, c'est qu'il est. C'est que la plateforme de développement en premier, c'était la Play 3 en l'occurrence, on avait cru ça en fait nous. Parce que nous, en tant que bons fanboys de Sony, on s'est dit tiens, Crysis 2 est lié PS Gen 3, t'sais. Mais en fait, pas du tout. C'est pour ça qu'en fait que. Les bêtas sont en retard. Que les démos étaient des toutes sur PC ou sur Xbox. Mais c'est trop, on redit une connerie, il est lead, mais bon. Ouais, mais vu ce que a dit IGN cette semaine. IGN a dit holy fuck. Le jeu il est en mousse, donc bon, ça fait peur quoi. Il savait qu'IGN et la neutralité ça fait 8. Mais bon, quand même. Mais bon, de toute façon, nous on l'attend de pied ferme. Enfin, nous on l'attend de voir, mais bon, nous le jeu on l'achètera pas, c'est sûr. Et Bomber, arrête de faire l'avion là. C'est du canon, c'est chacun son tour. C'est clair, ouais, ils font du manège. Vous avez pas un Apache aussi, vous aussi? Mais c'est lui, ils nous ont volé. D'accord. C'est déjà hallucine quoi. Ah, j'ai une idée. Ouais, ça. Et le marqueur là. On a un petit peu joué sur PC là. Oui, bon, sur voilà. PC, ça, c'est une claque, c'est vrai que c'est super beau. C'est très très joli. Le niveau notamment. Du pire là, avec les reflets. De l'eau qui et tout là. Que sur PC cette truc hein. Ouais c'est ça, avec le magnifique soleil. Et puis même là j'ai joué celle des toits là, celle que tout le monde a vue. Allez. Tiens Luxel, tu vas voir qui c'est là, c'est le patron là. Paye la redevance. Si il faut qu'il pilote. Oh putain, il a pas le permis les gars. Sautez. Oh. Attends. Mais ça j'ai mauvais côté là. Bah oui. Mais je peux pas. Putain,
putain, oh putain. Bah, c'est Furex, il sait pas conduire, on l'avait dit, hein. Et voilà, et il a plus de pilote. Et voilà. Il a fait exprès, alors c'est sûr qu'il a fait exprès, c'est fou, bah. C'est juste qu'il est waterproof là. Putain, il a fait exprès, quoi. On est bloqué sur la côte, il va tous nous faire tuer. Bravo. Il est derrière. Même pas. Il s'est barré avant. Oh là là. Allez, il voit que tout le monde se suffit là, il va être bien content, c'est là. Pourriture, il sait qu'il n'y a pas de team kill en normal sauf là-dedans quoi. Il est là quand même. Pouned. je m'en fous. Hop, il est mort. J'irai pas te voir. Voilà, bon, toi ça suffit quand même là. Il a revolé hein. Non, ils sont. Ah non, c'est le truc, c'est le vieux celui-là. Enfin, celui qu'ils ont à leur base. Comme ils sont deux. Attends. C'est pas l'armée de table là, tu peux pas le tuer comme ça. Hein. Ah. Marque... Ouais. Ça a marqué non? Non. Oh, oh putain. On va le choper hein. On va réussir. Donc là c'est la dernière base pour ceux qui connaissent pas. Tout à fait. Donc c'est à dire que là comment il dérive. Ça peut aller très vite ou ça peut aller très lentement. Bon, très lentement parce que c'est très dur à poser des bombes là dessus. Putain presque. Ouais je sais qu'il y a des pros quand même à faire ça mais bon. Putain. Mais si, nous une fois on l'a fait. Oh, une fois pareil. Putain. Un char, il craque. Il court au milieu de la cour en jetant lance-roquette dans le vide comme ça, c'est super. Oui, Battlefield 3, ouais, effectivement, c'était impressionnant graphiquement. N'oubliez pas que c'est sur PC que ça tourne. Hein. N'oubliez pas ça. Ouais. Sur console, on aura un truc de cet acabit là, sûrement. Si. Voilà, moi j'attends beaucoup, Battlefield 3, mais le problème c'est que son défaut c'est qu'il sort sur console. Quoi. Moi j'ai rien contre les consoles, mais quand on voit la qualité de Battlefield 2 et celui-là. Se battre Company 2, il y a quand même un fossé. Hein. Même si c'est excellent de pouvoir tout casser. Il est assis au siège comme ça, je suis bien. Et voilà. C'était c'est Murcus. Oh putain, il fait oh putain. Mais ouais, c'est vrai que les gros jeux FPS comme ça qui sont faits à la base pour les consoles, les PC, quand il y a des portages. Quand ça tue la série. Le concept il est mort. Regardez Crysis. Crysis 2. On peut vous mettre là-bas à couper, genre tout ce que vous voulez. Ce sera un gros beat sur console, genre. Mais j'espère, y'a que ça pour faire comprendre à EA, quoi. Mais c'est surtout les pauvres Crytek parce qu'ils ont été peut-être obligés de développer sur ces consoles. Ils ont peut-être été obligés. Genre, tu vois, EA, ils s'en foutent. Ouais, c'est génial et tout sur console. Ces consoles next-gen, elles sont puissantes, tu vois. Mais elles ont quand même. Les PC, ils évoluent tout le temps. Ils XP tout le temps, les PC, donc ils s'en foutent au niveau des configs. Je voulais monter sur le temps qui est le PC. Nous, c'est les configs qui sont posés en 2006, donc t'imagines au niveau des composants. Forcément, Crysis 2, oh, je sais, il y a le sel qui est 7 coeurs, mais bon. Bah, c'est voilà. C'est un cas graphique, faut casser. Ça fait une accélération matérielle, mais ça ne suffira pas à faire joli, quoi. Ça, c'est normal. Il voilà, y a que sur PC par exemple, qui tourne sous DirectX 11 si je ne me trompe pas. CryEngine 3, je sais pas si vous avez vu des vidéos, mais ça fait peur. Enfin, oui, ça fait peur dans le bon sens cette fois. Ouais, hein. C'est abusé quoi. Wow. Si la prochaine génération c'est ça, waouh. Plus la 3D, si c'est bien géré quoi. Pourquoi pas. Allez, vas-y. Putain, plus on se rêve. Attends, j'ai une idée. Ça fait 8 fois que j'ai une idée. Cette fois c'est la bonne. Non, on va l'éviter en fait. Il n'y a plus qu'un point. Ce moment là, ça crie, le russe est mort. B ne pète pas, genre la maison ne pète pas à B. Hein. Ouais. C'est peut-être qu'ils ont fait péter la maison là, non? Le gros bunker en B, c'est B là qui reste? Ouais. Je suis con, voyez. Alors. Oh putain. Attends, de chance, on se croise, t'es. Y'en a. On peut tuer quelqu'un comme ça. Hein. Tu peux peut-être monter dessus, tu sais, prendre la mitraillette. C'est du gros calibre. C'est pas à moi. Je sais, mais fais les comptes, t'sais. Hop! C'est killer, il a laissé monter. Ça, je vais mettre un coup de couteau. Ça change tout. Ils ont activé vite. Au pire, ça sera fini, de toute façon, dans tous les cas. Alors, vite, on désarme. Oh, Dieu, non! Oh oui! C'était Toto et Julien. Oh! C'est bon, je vais t'en suivre, il y a peut-être des spies! Grenade! Mec, il fait une grenade dans la maison, tout ce gros bordel quoi. Et je prends l'arme de Toto et Julien pour pouvoir l'humilier avec la prochaine fois, je le verrai. Très important l'humiliation. Putain! Luxen a enfin quitté son véhicule hein, qui faisait office de maison aussi. Hein. Il vit dans l'hélicoptère en fait. Il vit dans l'hélicoptère, attention, tiens, des munitions pour me protéger. Gage. Tiens, ils ont pété les murs, je me rappelle même pas qu'on peut péter ces gros murs là. Bah, peut-être. C'est l'hélicoptère, il y a l'effort. Hein, l'hélicoptère a fait 18 passages. C'est ici, elle ne peut pas être cassée donc tous les murs peuvent être cassés, mais pas la maison. Donc on va tenir bon. Ouais, normalement ça doit... 47 par contre c'est long. Ouais, mais si on y reste, regarde. Si on reste comme ça et tout, pas de problème, mec. Viens chez moi, j'ai un RPG qui arrive. Vas-y, pareil. Connais l'église, les mecs. Ouais, c'est bien.
putain, les arbres tombent. Oh tiens, et voilà le petit Numbas. Hop là, pareil. Ouais, petit Codis là. Allez. Tiens, le lance patate. C'est comme ça qu'on fait quand on est Codis. C'est comme ça qu'on joue. Ça et des Quickscopes, c'est bon. Ouais, bon, là, c'est difficile à faire. Aïe, yo. Et oui, le mec, Doudou là, Dodo, il est là, il est là. Il bouge pas, il est bien. Il est bien là. Il a... Là, tu fais son tour d'hélicoptère tout à l'heure. Un peu comme à New York, tu sais, où il faut visiter. Il fait visiter la map en hélicoptère. Ah, c'est, 150 dollars le jeu. J'ai cru que c'était Foura, c'était genre, il est mongolien, il fait ça. Viens là, je te prends ta plaque. Oh putain. C'est l'hélicoptère, je crois qu'il vous tire dessus. Oh putain. Ouais, c'est lui, je crois. T'as tout le monde fermé, gars. Ah, non, il y a un tank dehors. Ça, c'est JCOS 2, désolé. À gauche. Aïe aïe aïe. C'est un gentil. Allume le PC vite. Il y a encore temps. Aïe. Non mais c'est ouais, c'est bon le temps que c'est mort. Oh putain, attention, il y a un petit drone là. Ah putain. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai, certains d'entre vous voulaient acheter Crysis 2 aussi, vous voulez acheter aussi Homefront, hein. Ouais, bon. Est-ce que vous voulez votre argent, les gars? Nous, on va moi, mettre... Moi, je dirais Just LOL, c'est tout. Quoi. On va mettre notre jeton sur d'autres jeux, genre. Voilà, c'est ça. Moi, je ne parierais pas sur ces jeux si j'étais vous, mais bon. Vous avez totalement le droit d'acheter ces jeux, ils ne seront pas mauvais non plus. Hein. So, voilà, cette génération-là, c'est une génération fucked up. Il n'y a que des FPS sur ces consoles-là. Et donc, du coup, il n'y en a pas beaucoup qui sont bien, en fait. Hein. Bah, ils se ressemblent tous, donc... C'est en front, voilà. C'est du mag. C'est du mag, techniquement, c'est du mag. Ça ressemble un peu à du mag. Après, il y a plus de véhicules, comme des hélicoptères et tout, mais bon... Ouais. Nous, il n'y a rien de spécial, il n'y a rien qui pourra nous emballer dans Homefront, quoi. Il est non. Trop classique. Non, non, et en plus, sur la semaine prochaine, j'aurais vraiment aimé une démo pour pouvoir, tu sais, voilà, dire ce qu'on en pense, quoi, informer les gens. Et peut-être comme Neil, hein, avec l'échec commercial, il y aura plus une démo, tu sais. Voilà, achetez mon jeu, regardez, on vous le fait tester. A noter quand même la blague, attention, c'est on est habitué avec Activision. La semaine, juste cette semaine, hein, démo de Black Ops. Hein. Black Ops. Black Ops. On a perdu, je peux continuer à jouer. J'ai jamais vu ça, regardez ce bug. Je vais te planter. Tiens, le russe. Tiens. Voilà. Non, en fait, on a perdu, mais au moment où je suis mort. Putain, ça fait un bug parallèle, time paradox et chaud. Tout. Ah non, c'est vrai. Parce qu'au moment où je meurs, il y a la cinématique qui se lance, mais au moment où je suis mort, on m'a réanimé. Ouais, c'est énorme. Les scripts bug, qui bug, tu sais. C'est d'ailleurs la dernière fois qu'on avait joué à ça aussi, à Matelot, c'est décidé à venir. T'sais. Bon, je vais quand même y aller, on sait jamais. Ah putain, une autre map. Ouh. Bah oui, c'est vrai, on en a fait deux, je suis trop con. Ouais, mais elle est connue elle aussi, non? Ouais, elle est trop bien. Elle. C'est une map gratuite, ça, c'est genre. Oui. Si, c'est la map, tu sais, avec le phare et tout, ouais, ah, c'est oui. Bon. Oui. Je sais plus combien de maps gratuites, mais tout à fait. On fera pas l'aller-retour, on fera juste une session. Ouais, sauf si je suis chaud et que ça plante pas. Bon, allez, on va faire celle-là, sauf si elle est trop courte. Alors, clac, 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 on est en attaque. Très bien. On va prendre l'hélicoptère aussi. Vite. Ouais, t'as plus de le prendre. Bon, on vous remercie quand même tous ceux qui sont inscrits. On est quand même vraiment désolé, c'est la merde quoi. Bon, vous le savez, pour Battlefield, on peut rien faire. Hein. C'est vraiment pas et notre. Puis, on vous prend, on vous ajoute comme ça, vous avez une chance de participer. Voilà, après vous êtes pas assuré. Après, on fait tourner au niveau de l'escouade. Et puis voilà, comme on vous a dit, là on avait fait une partie, bon heureusement qu'elle a pas marché, mais bon, même si c'était pas mauvais, c'est quand même dommage. Parce que ça ouais, mais c'était pas trop fun. Ça a fait perdre beaucoup de temps. Ouais, en conquête trop... hardcore, là c'est quand même plus fun. Là. Même vous nous le direz hein, si vous avez bien aimé ou pas. Nous on a été un peu déçus parce que c'était trop hardcore. Genre, c'est chaud en fait. Il mettait son hélicoptère parce que tu peux pas. Alors qu'en hardcore, tu pouvais. Ouais. Bon, je sais plus qui c'est notre team, je crois que c'était Fab ou je sais pas qui, il nous avait tué à la grenade. Oh putain, la mini-mine, bien joué, je suis con là, je me suis fait avoir comme un bleu là. Parce que c'est, tu mets tout le temps des mines et ça. Moi, ce que je faisais, c'est là, je longe à droite avec le quad. Ouais. Attends, je vais prendre le AK-74U. Hop, là, bah oui, c'est vrai, il faut se mettre là aussi. Ouais, je répare. On va pas le réparer. Non, pas. Oula, il va se planter là, non? Attends. Là, maintenant. Go. Avec qui d'intervention? Ouais, et voilà. Tu n'es pas très bon endroit là. Je n'ai au milieu, tu sais. Le mec il tenait la mitraille, l'arme lourde, il fait vas-y, descends. Viens, je vais tirer comme un. T'as eu ma cagoule, descends. Alors, on va retourner dans la deuxième round. Putain, il a plus de vie du tout l'hélicoptère. Il va péter là. Il rentre à la base ou pas? 15 de vie. Allez, on y va. Pareil, le mec il est chaud. Ah merde, je suis dans les arbres. C'est bon, sur le toit c'est bon là. Vas-y, y'a un mec à l'intérieur là. Vite, venge kill. Ta plaque, trop humiliation. Killer, ta plaque. Et voilà, Killer. Plaque. Merci ta plaque. On pourra aller la vendre sur eBay maintenant. Ouais, tout à fait. On va la dédicacer. Y'a un mec là, y'a un mec. Y'a un mec là, un russe. Et voilà, c'était qui? C'était Old Boy. Oh, Hellboy. Oh, Seven. Y'a trop de Lyonnais. C'est y a clair. Y'a trop de supporters de Lyon dans nos abonnés. Pourquoi vous supportez Lyon? Y'a pas de raison. On va vous éliminer un petit peu. Hop
pas se mettre à troller Lyon, il y a d'autres équipes à troller plus facilement. Hein. Plus proche de nous en plus. Un certain ancien champion de France il y a deux ans, c'est ça, magnifique. Attends, je rate son score quand même, si je peux me permettre, parce que je devais être devant lui pour pouvoir... Ah mais c'est bon. C'est en 90 points ça. C'est bon, on peut troller Bordeaux, c'est bon. Alors, bah, finalement c'est une partie privée, tous dans son parti. Ouais, c'est sympa. Alors c'est une partie publique, hein, on vous assure, on ne pourrait pas jouer à plus que 8 contre 8, donc... C'est un mec ça. La compréhension quand même. Hop là, mais c'est pas grave. Et le mec, il doit pas comprendre, il y a que des CTM partout, tu sais. Il fait... Wow, qu'est-ce qu'il se passe de deux côtés, tu sais. Bah, les Mercus, ils dominent quand même, bon. Mercus, il est niveau 45. Ouais. Et What My Name aussi. What My Name, ouais, il a pas vu que c'est My Name, mais bon. Il est pas là en anglais souvent, là. Tiens. Tue un mec, vas-y, tue un mec comme ça pour voir, humiliation. J'en choque pas. Putain. Mais ouais, mais tu spawns ici non, aussi. Non, mais en fait, on me revive, donc du coup, on me tue, on me revive. Oula, à chaque fois qu'il bouge. Non, non, c'est bon. Ouais, il va désactiver. Ouais. Putain, il y a du monde là. Ouais, il a désactivé, allez. Alors, pour la peine, là, je sais pas laquelle qui est bien. Si, celle-là, elle va trop mal. Allez, hop. C'est pas où ? Prends l'avion ? Allez, on s'en refait un avion. Ouh. C'est un peu trop noir à l'intérieur quand même. Hein. Ouais, ils sont pas merdés. Hein. Je veux pas dire, mais on bon. On a vu au niveau des développeurs, ils ont fait bon, on a fait intérieur, on fait noir. Remplir, vous savez, la touche de remplissage sur Paint, clac, noir. Eh hey. Ça marche même pas. C'est toujours la première zone, hein? Ouais. Oh non, c'est habile. Putain, ils vont m'avoir. Oh, je suis Rambo. Oh. C'est des gentils. Non, oh, c'est très méchant. Mais ils volent mal, là, l'hélicoptère, là. Ah, non, les armées, mince. Ouais, je pense que vous avez même pas réussi à faire la première mode. Hein. C'est cool. Ça, on va faire la deuxième, comme d'habitude, finalement. Ils vont nous contrer. Chaud, t'as vu, il a sauté de l'hélicoptère? Ouais. L'hélicoptère est là. Ah. Et il marche sur les hélices, oh, ouais. Carrément. Non, mais ça arrive très souvent. Ça se fait. Oula. T'es tombé au combat, on va te relever. Debout. Oh putain, méchant. Hop, on peut tirer en sautant, ça c'est excellent. Pas partout. Oh putain. Ah ouais, là, ça gave un cas. On sait jamais, parce que tu sais, il nous revive et... J'ai fait tomber un arbre, t'essayes. Alors, attends, là. Merde, vite l'arbre, faut le réanimer. Ouais, il y a de la vie et tout. Hop, l'arbre, là. Debout, l'arbre. Allez, debout. Putain, vous avez rien fait péter, c'est chaud quand même. Ah, aucun des deux? Mais non! Ouais, mais après, voilà. Je pense pas que ça se vérifiera tout à l'heure, mais c'est quand même assez. C'est défendable ces endroits. Hein. C'est qui tout double souvent, tu vois. Selon comment t'abordes la partie. Non, surtout si t'as des noobs ou pas avec toi, ou si t'es noob toi-même. Ça fait un esprit d'équipe, hein. Tu peux rien, quoi. Allez, on se met ça. Hop. Premier soin par ici. Putain. On a des grenades, fais gaffe. Mais cassez-vous! C'est bon, c'est parce que Foura, il a voulu activer B, va le soigner. Parce que Foura, ça paye sa complémentaire santé, sinon on peut pas le soigner. Sinon... Faut qu'on vérifie ça au niveau du dossier. Putain, ouais, attends, je suis concentré parce que j'ai essayé de. Putain, tous les soins que je fais à 100, j'en ai fait 10 d'affilée, 11. Aïe aïe aïe. C'est une grenade, non? Ah ouais. Il tire à travers, je pense. Là 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 là! C'est pas à travers ça. Putain, là, ça continue mon combo depuis tout à l'heure. Putain, c'est fait avoir là. Non, mais ils défendent bien. Attends, prends la M60, et l'arme là. Non, c'est pas elle. L'arme la plus cheatée au monde. Voilà. Si j'arrive à la trouver. Même moi, j'arrive à jouer avec. Ouais, c'est dire. Hein. Pas Fouras par contre. Pas déconner non plus. Fouras est encore mort. Hein. Attends, ça se trouve, il est au-dessus de moi. Non, quand même pas. C'est Mato le premier. Puis qu'il arrive en retard, tu sais. Il a eu le temps d'être premier. Quoi. Bon, pas trop haut le niveau. Putain, en fait ici il y a. Tu pètes A, ça pète même pas la maison. Non, je pensais que. Non, ici tu pètes A. T'en as aucun qui est pété par la maison ici. Ah ouais, je pensais. C'est vrai que c'est chaud. Et en plus, du coup, quand il n'y a plus de mur, c'est comme ben, ça. C'est impossible. Après, voilà. C'est juste s'ils mettent au fond à gauche là dans la vague. Comme ici, ici là, c'est mort. Il y a une grenade au milieu. Putain. Voilà, campette. Normal. Quand tu défends ta zone, il y a normal que tu campes. Hein. Il va pas venir nous chercher dans la forêt non plus quoi. Et qui c'est qui est mort? Les 4 verts clairs quoi. Ouais, ouais, toujours. Là, la squad des gros mauvais, lui il va là. Allez, c'est pas où on y va. Allez, casser la tarée de 1600. Oh non, mon dieu. Oh, le super joystick. Attends, je me connecte. Geo, Geo. J'ai vu que ça fait des points, t'sais. Ça fait des points de soins, t'sais. Ouais. Oh, ah, mec, bah, je pense que c'est mort là, vous avez perdu. On a abandonné les mecs en fait, donc voilà. Merci à Foras, bien. Ah, les mecs ils dansent, ils arrêtent, ils abandonnent et tout.
Voilà la guerre, c'est vraiment la bad company quoi. Lui il vient d'arriver, il comprend pas ce qui se passe, il nous tire dessus, tout le monde fait oh putain, vous êtes mauvais ou quoi? C'est la bad company, tu sais, personne fait rien, voilà, on est là. Regardez, on est combien? 1, 2, 3, 4, 5, on est au moins 8 quoi. Allez, on au front, non, allez, non, on déboise tout ça, on pas trop envie d'aller au front. Aujourd'hui on y va pas quoi. Je suis en RTT aujourd'hui. Putain, il y a une. Allez, on y va! C'est possible, on peut gagner. Allez les gars! Allez, on y va! Suivez-moi! Allez, on chante après. Comme les nains quoi. Et oh, ouais. Et oh, j'ai pensé, j'ai pensé comme Full Metal Jacket, mais bon. Avec la musique à la fin, la peine, d'accord. Ouais. Non, non. Ouais, avec Mickey Mouse. Non, Mickey Mouse. Il y a toute l'escouade, ils me suivent. Allez, les gars, allez, go. Allez, et là, pour les siffler, tu sais, pour faire. On sort les tranchées, go. À la gauche, il y a le tank, donc c'est mort. Allez, tirez. Oh putain, tank. Non, mon dieu, les quatre tombent. Je suis le seul survivant. On préfère un film sur ce qui se passe en ce moment. Ils sont tous morts. Il y a le tank qui tire. Il me suit. Waterplouf. Bravo! Il y a le tank juste là, c'est mort! Putain! Même pas tué, killer! C'est quand il y avait un bon mouvement, mais ils se sont tous fait tuer quoi! Vite, go! Mais ouais, mais t'es pourri avec ton scope x4 là! Ça me l'a donné! Pourquoi ça l'a donné? Parce qu'il m'a arrivé. Ah oui, il a pris son arme. Il m'arrivait avec mon truc en fait! Attends, je vais prendre. Bon, là, c'est très mal parti! Néanmoins, on peut encore espérer une attaque à l'Apocalypse Now, mais non, je crois pas non plus! Bon, on va danser sur place, hein, comme fait ce gentil sniper là, Fox, voilà. Il danse sur place. Oh là, c'est carrément, il saute. Dieu le cut, allez, c'est parti. Allez, on y va, les gars. Voilà, c'est. Le mec, il devient fou, c'est le syndrome de la. De la démence, quoi. Comment ça s'appelle, tu sais, le. Ah putain. Tu sais, les crises de la guerre, la guerre du Golfe, tu sais. Le syndrome de la guerre du Golfe, tu sais. Ah oui. Ils ont pété les plombs, les mecs. Ah oui, ouais, c'est ça. Pareil, Fouras, en fait, il a atteint le mec, il a sensibilité 10 au maximum, t'es, il a la vache folle, tu vois tout. Attends, on va faire la revanche, ah, c'est lui qui s'en va péter comme ça. T'as parfait. J'ai le brevet de pilotage. Peut-être je peux conduire maintenant. Ah, on essaie de la défendre. Pourquoi faire? Allez, directement à la zone 2, parce que. Ouais, non, mais même. Ratio 6-14. Ouais, mais je perds parce que j'ai pas la M1 garante, tu vois. Ah putain, y'a Mix, les mecs ils sont même temps de venir, c'est trop bien. Et du coup, y'a plus de monde qui est revenu. Okay. Vous êtes 12 contre 11 et. Mais en fait, c'est parce qu'il y a trop de CTM à gauche, je pense. Non? Non, mais je te dis, parce qu'il y a Fox et Furax avec nous. Putain, j'ai 0,43 ratio. Wow! Ils copient sur nous, donc du coup, comme on est mauvais, qui sont mauvais. Ouais. Ah oui, voilà, à tous nos détracteurs, par exemple, qui vont dire oh, vous avez très mal joué, vous êtes mauvais. Le les but, gars, c'est les rigolent, hein, les gars, nous on rigole, les Wookiees, on s'est bien amusé. Furax, il est fou. Le jour où vous verrez une vidéo des avec un ratio positif. Avec un ratio positif ou des commentaries ou des frag movies, on s'en bat les cacahuètes, nous franchement, on nous restera cité. Mais le ratio positif, ça arrive. Attendez. Oui, ça arrive, des fois ça arrive. Des fois j'ai eu 2-1, des fois. Une fois j'ai eu. Dégage, deux méchantes, mais t'as compris. Un poulet. Et c'est plus là. Dégage. Oh putain. Il a pété toi là. Non, l'hélicoptère a pété. Il a pété ça. Il a pété la façade. La cuisine, c'est moi. Je bite comme ça. Comme dans Minecraft. Allez hop, on y va, qu'on construit. Attends, t'as un problème toi? Toi, tu dégages déjà toi. Minecraft, bien sûr qu'on l'a. On a acheté la bêta à 15€ là. On voulait le faire, on le fera de toute façon. On voulait faire une vidéo et le problème c'est que Naito nous est passé devant. Naito nous a passé devant, mais de toute façon Naito l'avait depuis avant. Nous ouais. On l'a eu au février, en février le jeu. Ouais. Lui a dû l'avoir la bêta de août. On l'a eu après les gaming live en fait. Donc, voilà. Parce que Pixel Pirate nous a bien fait kiffer. Ouais, c'est ça. Surtout quand il faisait oh mon dieu, il avait peur. Il avait vraiment peur en plus. Hein. Ouais. Il se pissait vraiment dessus. Et ce jeu c'est une vraie tuerie. Ouais, tout à fait. Et on vous prépare une vidéo. Oh putain, il joue pas lui. Oh le saut, le triple saut là. Donc on vous prépare une vidéo, on essaye de faire un truc bien parce que voilà, on a commencé à faire une sorte de maison. Ah oui, on a vu que un d'entre vous, on ne sait pas encore qui, a créé un serveur. On vous remercie. Ça c'est énorme parce que c'est ce qu'on voulait en fait. Sorte de créer une cheetah town, vous voyez. Et la cheetah town, c'est-à-dire qu'elle serait régie par le crime et le meurtre. Voilà, un peu comme Kadhafi, nous on est un petit peu moins mort. Kadhafi, c'est nous, tu vois. Donc c'est-à-dire, le palais, on a l'oseille et tout, on a l'or. Oui, exactement, et c'est-à-dire que par exemple. Il y aurait des attends, trucs. Faudra enlever le fait que t'es banni quand tu casses les maisons de l'or, tu vois. Parce que le tue, quand même. Et ça mange pas de pain. Ouais, mais c'est ce que j'essaie de faire. Il y a ça sur les serveurs, tu sais. Quand tu pètes les blocs de l'autre, ouais. T'es banni. Nous, il y aurait pas ça. Hein. T'es récompensé quand tu pètes la maison du voisin. Ouais, puis parce que comme les matériaux sont très chers, il faut les voler. Il faut les voler, tu vois. Donc tu voles le bois de ton collègue et tu prends. La nuit,
Enfin, le jour, il fait sa maison. La nuit, tu l'as défait. Tu fais ta maison dans ton jardin, ça. Tu mets plein de creepers dedans, c'est bon. Parce que nous, on avait fait. Le premier serveur qu'on avait fait, il nous a coûté un disque dur, quand même. Ouais. Le disque dur d'un de nos ordinateurs a lâché, quoi. Tellement qu'on avait construit un château fort. Je sais pas si vous connaissez, mais en fait, on avait construit un petit peu Carcassonne, tu vois là. C'est ça. Un truc monstrueux. On avait passé du temps et après, un orage s'est pété. Donc, faut tout refaire. Donc là, on a réduit un petit peu nos ambitions. On a fait un carton. Vous voyez les tentes à côté du canal Saint-Martin, cette tente qui est chouette, ben voilà. Pareil, quoi. Pareil. Donc ce jeu, bien sûr, excellent. On va faire une vidéo parce que nous, on va faire une vidéo à deux. Hein. Tout à fait. On mettra nos deux PC à côté, genre on mettra un micro entre nous. Il y en a un ou deux qui capturera et puis basta, quoi. Et là, tu joueras avec tes creepers dans le jardin, voilà, quoi. Parce que c'est un jeu de nos lives, quoi. Ça, c'est vrai. Genre. Moi, la première semaine que je l'ai eu, je jouais quasiment, en plus on avait très peu court. Mais on se dit, temps, mais quand tu joues, tu dis quand même que c'est limite un des plus grands jeux, quoi, franchement. De tous les temps, ouais, je pense que non, c'est... Non, mais sérieusement, on a lu plein de « Oh lol, c'est moche ». Bon, les gars, c'est fait avec Java, c'est un mec. Moche, vous avez rien compris, déjà. C'est après, ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est quand même, t'es là et tu fais tout. Tu peux tout faire, quoi. Tu crées des trucs, tu craftes des trucs. Si vous aimez bien construire les choses, fabriquer par vous-même, inventer, si vous avez de l'imagination, ce jeu est pour vous, quoi. Après, bien sûr, si vous attendez qu'on vous tende la main, qu'on vous tienne la main et qu'on vous dise fais cet objectif, fais ce script-là, il y a zéro, c'est rien, c'est total. Mais il n'y a rien dans le jeu, il n'y a rien. Il n'y a rien à faire. Vous bougez pas, il n'y a pas de mission, les gars. En fait, on est en train de faire la vidéo de Minecraft, alors il n'y a pas de mission, il n'y a rien. Donc, on vous fera vite fait un petit tuto, mais bon, je pense que ça sert à rien. On vous présentera vite fait comme ça. De ce qu'on sait, hein. Peut-être qu'on fera plusieurs vidéos. On est en train de réfléchir sur le concept parce que il faut du temps pour faire ces vidéos-là et on veut faire ça bien, quoi. Il le mérite, donc on veut pas bâcler. Ils ont pas pété encore. Donc, voilà, c'était la petite interlude de Minecraft. Voilà, on va continuer. Peut-être un des meilleurs jeux de tous les temps, quand même, je pense. Non, ça, c'est un des concepts, au niveau des concepts, c'est vrai. Quand les gens ils se plaignent, les conservateurs rétro gaming qui se plaignent de la nouvelle génération de jeux, le 8 bits, le 16 bits, c'était mieux avant. Ça, c'est pas possible. Il y a plus de nouveaux jeux qui sont inventés, tous les concepts ont été inventés avec Mario, Zelda et compagnie. Hein. Mais couille, oui, franchement, quand tu vois Minecraft, tu dis putain, là le mec c'est un génie, quoi. C'est clair. Le problème, c'est quoi là? C'est un américain, donc on va faire plein de couilles en or. Déjà, Je suis même pas sûr. Ah ouais? Je sais pas si t'es pas suédois. C'est possible. Vous me direz, franchement, là, je sais plus. Donc après, bien sûr, c'est une histoire de sous après. Ouais, il est déjà en train de travailler sur un deuxième jeu. Donc, c'est Marcus Persson, c'est Notch qui fait le jeu. En tout cas, allez voir des vidéos d'internautes français, même américains, si vous comprenez l'anglais. Non, on aura les tutos de l'américain là. On pourra peut-être en mettre en lien. Ouais, j'adore sa voix, moi. Et il est trop drôle. Il a fait des pièges et tout, des trucs de fou. Ouais, il faisait des pièges, là il y en a des nouveaux, en fait il en fait en gros une par semaine, mais il fait pas que ça, en fait il fait pas que des tutos, il fait d'autres vidéos de Minecraft, il fait genre Man versus Minecraft, en fait il survit un peu à la fin de Man versus Minecraft. Quand t'as pas mal d'imagination, ce jeu il est no limit, il est sans limite, c'est ça. Par contre, il demande beaucoup de temps parce que c'est vrai que récupérer les ressources pour construire et tout, genre nous on a fait des carrières de pierre de furieux, quoi. La pierre, on dirait des Chinois, quoi. J'ai creusé jusqu'au fond, jusqu'à la limite du... Bon, ça, peut-être tout le monde l'a fait, je veux dire, on se vante pas du tout, hein. On dit juste qu'on a fait. On a creusé jusqu'à la fin, en profondeur du niveau, il y a quoi, peut-être une centaine de blocs. Donc ça, j'ai creusé un truc, après il y avait de la lave et tout. En plus, ce jeu, il te fout la pression, parce que... Ça fait trop peur, fait très peur. T'es tout seul et il y a des monstres, des fois, genre la nuit, quoi. En même temps, nous, notre château fort était dans une grotte, hein. Et nous on avait commencé notre château fort sur une île en dessous du niveau de la mer, donc il y a tout le temps des monstres. Donc on était pas un peu dans la merde. Et comme il était trop grand, en gros tu rentres le soir, tu fermes la porte, oh putain, deux creepers, et voilà, ils pètent tout. Voilà, des araignées, c'est la folie, quoi. Bon, ne vous inquiétez pas, on vous fera une vidéo. Sinon, allez voir les vidéos de Naito, il a fait de très bonnes vidéos aussi. Ouais, il s'y connaît un peu plus aussi, sûrement. Mais là, il a joué depuis le plus longtemps. Il a joué depuis plus longtemps. Oula, je me suis fait péter par un. Bon, on en est où là dans cette carrière de Battlefield? Eh bien, on résiste pour l'instant. Parce que à part être réanimé des centaines de fois. Eh, c'est pas plus mal, je fais bosser, moi. Bon, c'est que fait, là. Je fais le trou de la sécu, c'est vrai, c'est pas top. Et voilà, hop là. Touriste. Il vient, il snipe et tout, il a rien compris à la vie. C'est pas un système, c'est pour ça. Ouais. On prend pas le concept. Et voilà, ça t'apprendra. Putain, je suis pareil. En mode. Voilà, comme ça, là. Comme ça. Carabine à plomb. Ouais, ça, c'est. Oh, il est où? Comment je l'école? Il est où? On va tirer sur l'autre. Aïe, arrête de me tirer dessus, méchant. Aïe. Voilà, petite grenade qui... Wow. Aïe. Hop, direct. Alors, t'as même pas le temps de mourir. Couteau là. Putain, bon, flaque de qui? En or, en plus. En or, c'est niveau 50, hein. Bah oui. On va la garder, Cécile.
Duel de couteau. Oh non, oh, mais non. T'as eu. Oh oui, yes, merci le Black Hawk. Parce que je voulais pas me faire coter, ça aurait été pitoyable. Merci Killer. Ouais, bien sûr, vous avez le droit de mettre CTM. Hein. Moyennant une adhésion au club. Voilà, à vie. Oh oui, 10 euros. Prélèvement sur salaire. Voilà, y'a plus de maison, y'a plus que B, putain. Oh, y'a plus de maison là. Allez, faut mettre des couches là, hop. Ouais, mais en faisant ça, putain, il a tué tout le monde de la grenade, le mec il est content. Oh non! Il va la rarmer. Allez, allez, on va la désamorcer encore. Alors, on va y aller comme ça. Ah non, non. De toute façon, ça gagne des thunes d'armée de oui, bien sûr, ça, il faut le faire. Hein. Allez, waterproof, on désarme. Ah, mais là, le temps, c'est mort. Là, je c'est mort. On a perdu la zone. Là, je pense que c'est mort. Ça va continuer. C'est quoi, ça va continuer sur la prochaine hein, zone. Moi, j'aime beaucoup cette map. Elle est vraiment très jolie, très colorée, là. Le bleu, le vert, un peu comme Battlefield 43, mais le filtre en moins. Allez. Putain, bon, de toute façon, on va arrêter la vidéo là parce que ça fait quand même ouais. 45 minutes. C'est largement suffisant. Genre, c'est suffisant. On a quand même. Ça fait 2 heures qu'on joue ensemble. C'est ça. Ouais. Malgré les échecs de les capture. Bugs et tout, voilà, ouais. Donc, c'était une weekly. Des weekly assez mitigées. Genre, ben, niveau sur le plan technique, technique, c'était une catastrophe. Hein. Vous avez été. Là et tout, quoi. Irréprochable, voilà. Vous avez été présent. On a fait ce qu'on. Vous savez très bien, nous. Voilà, on fait ce qu'on nous, peut. Nous, là, par contre, on y est pour rien. Là. Ceux qui vont nous envoyer des menaces de mort, on n'y est pour rien. Donc voilà, donc ça a pas marché quoi. Cette vidéo sera postée dimanche. Dimanche, sûrement dimanche. Ouais, le temps de la créer et tout ça quoi. Et peut-être vous avez pu regarder notre style hein, sur Dead Space 2. Ah, du style toi. Ouais, attends, tu prends le petit Gollum là, tu kills avec style, toi, tu lui arraches le bras à la tête. Non, genre la. Oui, la partie 1. Ouais, la partie 1. On a plutôt bien joué. Voilà. Bah allez, bon, c'était les Cheetahmen et la Cheetah Family. Il y a de plus en plus de monde, là, faut vite partir. Hein. Sur Battlefield Bad Company 2, on a montré deux cartes, les deux cartes, la démo et celle-ci. Donc ouais, deux cartes de base, on va dire. Hein, des classiques, mais elles sont loin de là à être mauvaises. Hein, ah non. C'est juste qu'elles sont, voilà, elles sont normales. Le petit se balade avec son parachute, le mec, pas du tout repérable, t'es le mec. Je suis pas là, je suis caché, il me voit pas, t'es le. T'as pas un gros truc au-dessus de toi, t'es. Allez. Ah oh, oui, c'est bon, on va s'arrêter sur ce kill alors. Voilà. Ouh, le roi du monde! Et comme pour As. C'est voilà. Le 4 juillet ou le 14 juillet, hein, comme vous voulez. Le mec, il se met des feux d'artifice partout. Ouais, des ceintures explosives aussi. Allez, on se dit au revoir alors. Voilà, ben merci, au revoir. Au revoir. Back to you.